Qui fait quoi? Est-ce que nous avons une ruine ici pour cette seconde partie face Ghostface? Voilà, on entend le petit son qui est probablement celui qui s'active lorsque sa capacité... Oh non! Non! Secours! Trop court, jeune homme! Oh! Arrête! Non, trop... Ah oh! Oh mon dieu! Oh! Ce boom de Thibaut in shape dans ta face qui reçut dans la nuque! Mais oh! S'il vous plaît, ceci n'est pas une autre PSP, hein. C'est pour soutenir les jeunes streamers qui débutent, voire les jeunes youtubeurs. Je place de temps en temps des noms de personnes connues. Mais... Ouais, bah là c'est moi qui fais un petit bug. Maintenant t'as qu'à y aller. Oh non! Oh là là, le mec! Le mec! Non! Boum! Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche super bien. Ça... Allez, venez, mettez. Mercure, 18 mois, merci beaucoup, attention au crochet qui pique, merci infiniment, très très bien, merci à toi, et au revoir, au revoir, merci Mercure, dis-moi soutien, merci infiniment, oh non, 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 fais pas ça, mais non, ok, ça n'exclut évidemment pas le tunnel, trop court jeune homme, ah là là... Non... Ah bien sûr ça n'exclut pas. Non, le Mori, non. Par contre, il l'a vu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien. Je crois que non. Quelles sont les particularités du Ghostface? De faire un teabag. Le teabag. Le deuxième teabag de la série de tueurs. Le premier étant celui des... De la Peggy. Du cochon. Non, la capacité c'est d'observer en fait. Oh non, il campe. Oh, le son est tellement cool. D'observer, un peu comme Myers, et ensuite de développer des capacités de meurtre. Double. Très bon. Les gars, mais. Oh! Sinon. Allô? Mais non, mais vous déconnez là. Il y en a un qui soigne, un qui répare et un qui fout rien du tout. Et il va venir, il va pas avoir le temps de me soigner, de me récupérer. Ouais, la patrouille. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Non, ça va être trop court. Ça va se jouer genre une demi-seconde. Mais quelle bande de naze. Ça, s'est joué à une seconde. Ça s'est joué à une seconde. Oh, mais la tristesse. Très, très bien. Ah! Vaseline qui rend la vie de 4 quarts plus agréable. Merci à toi, Vaseline. J'invite Kat à faire un petit poème en alexandrin pour remercier. Ok. Où est le tueur? Ok. On découvre pour l'instant dans les serveurs playtest le tueur Ghostface en lui opposant. Résistance. Où est-ce qu'il est? Là est la question. Salut, Knaï. Là, il faut que je sois un peu plus prudent. Hein. Que je l'ai subi dans une précédente partie en train de pencher la tête. Donc, il faut être un peu plus prudent. Comme avec Myers, où on voit juste son masque blanc en nacre se détacher de l'horizon. Là, c'est un peu pareil. On doit faire attention. Alors, possible que ce ne soit pas ici Ghostface, mais quand on ne sait pas. C'est Ghostface, ou si on sait que c'est lui, ah là on l'a vu passer juste trois devant, eh bien on doit être d'autant plus prudent parce qu'il peut pencher la tête, ce qui est vraiment exceptionnel comme capacité car tout le monde n'est pas
habilité à avoir un coup. Alors regardez les nains par exemple, ils n'ont pas de coup, c'est pas facile de se pencher la tête. Hein. C'est pour ces raisons-là qu'en temps de guerre et dans les champs de bataille, les nains meurent le plus souvent parce qu'ils ont du mal à se pencher sur le côté afin de vérifier s'ils vont recevoir un coup latéral. Alors que Ghostface, lui, qui est une créature d'exception et venant d'une licence extrêmement connue et non seulement capable de se pencher, peut voir et faire des coups en biais. Et ça, c'est double extraordinaire. J'espère que vous avez pris des notes. Ok. Et c'est un moment où j'ai enfin, ça ce soir. Non, je ferai pas un sieste ce soir. Jamais sans mon binôme. Voilà, je crois que je l'ai passé. Ça, je l'ai passé. Ah, il est là. Mais bien. Et là. Non, oh, Wimbo Way. Broub. Non. Pas de chapardage. Pas un mon étalage. T'as que j'ai passé à l'intérieur? Non. Tu as pris quelqu'un d'autre en chasse. Très bien, parfait, nickel. Parce que le moteur là-bas. Ok, très bien. Le stun qui disparaît si vite. Non, le stun il disparaît pas plus vite, le stun. Fallait prendre les notes. Mais bien sûr qu'il fallait prendre les notes. On va trouver une trousse de soins ici. On va trouver une trousse de soins. Ouais, je comprends. Ah, évidemment. Mais qu'est-ce que ça? C'est une capacité qui a fait ça? C'est-à-dire que quand il a capturé quelqu'un, ça condamne des moteurs dans quelques secondes. Si c'est ça, c'est trop cool. Ah, j'ai peut-être me soigner. J'ai peut-être me soigner. En espérant qu'il pop pas ici. Je suis dans l'endroit le plus nul de l'univers. Si c'est bel et bien ça, la capacité, c'est vraiment cool. Ça... C'est une des pertes, d'accord. Grappe quelqu'un. Ok. C'est intéressant ça. Une de ses pertes quand il attrape survivant sur un générateur. Ouais, mais c'est ultra précis. C'est ultra circonstancié. Mais de ouf. C'est-à-dire c'est uniquement lié au fait qu'il soit... qu'il capture quelqu'un sur un générateur. C'est trop ciblé, je trouve que... la perte qu'elle va... elle va dégager. Moins, elle sera moins utilisée. Donc grab quelqu'un sur un générateur, c'est ultra rare, mais complètement d'accord. L'effet est rigolo, franchement c'est sympa. Mais c'est quand il ramasse un survivant aussi. D'accord go, il me semblait parce que c'est quand il l'a ramassé que ça c'est... Voilà, là par exemple ça va... Maintenant normalement ça doit se déclencher. Sauf si je suis déjà dessus. Là par exemple, ça signifie que si je suis sur un moteur et que la capacité fonctionne au moment où il récupère quelqu'un sur son épaule, si je suis sur un générateur, ça ne s'active pas. Très bien. Ok, passe au générateur sur lequel tu bosses. Ouais. Ok, très intéressant. Essaie bien de découvrir le tueur là-dessus, comme ça. Et il voit que tu suis dessus. Ok. C'est très intéressant. C'est vraiment une perque protéiforme avec des sous-effets assez rigolos. Sur un générateur, il sait que... Voilà. Si je suis sur un générateur, il sait que je suis dessus. Très bien. C'est intéressant. Faut me dire pour le son. J'ai l'impression qu'il augmente sa jauge, je sais pas quoi, je sais pas quand. Là, il suit quelqu'un. En espérant qu'il y ait une petite adrénaline sur quelqu'un. C'est assez fort. Donc, c'est. Il y a plein d'effets différents. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Un petit Ghostface. Je vais rester dessus. Là, par exemple, j'aurais été tenté de. Ouais. Ok.
Maintenant, nous allons voir s'il y a un petit Noed de famille. Il est sympa, le Turgos Face. Je pense qu'il est plein de subtilité, un peu comme la lunette de Ace en ce moment. Ok, il n'y a pas de Noed. Il n'y a pas de Noël, on va quand même essayer de les aider. Vu la vraie adrénaline, je vais pas ouvrir la porte en plein parce que sinon ça va déclencher le endgame. Donc on va aller plutôt tenter de sauver la bilvesée de ce pauvre petit bonhomme en mousse. Il est où? Il est là. Où est-ce qu'il va le poser? Dans la cave peut-être. Mais non, mais quelle bande de sacs! Sérieusement? Non mais c'est même pas une bande de sacs, c'est une course de sacs là. C'est-à-dire que les gars sont en train, ils ont les pieds attachés. Sans déconner. Wow! Ça m'a pas fait peur, ok? Mais abonne-toi quand même! Très bien.